Le week-end dernier, Grand Corps Malade était présent à Paris pour partir à la rencontre de ses fans à la FNAC. Et l'occasion pour le chanteur de revenir notamment sur la chanson où il tacle Patrick Balkan et au micro de Non Stop et Hop, j'y ai écrit ce texte il y a plus d'un an. J'y ai une espèce de fascination pour cet homme-là. Je trouve qu'il est tellement intouchable, sans scrupules, inaccessible, bardé des affaires judiciaires sur des plans personnels, professionnels, sa ville est la plus endettée de France, c'est extraordinaire. J'y ai une espèce de vraie fascination pour ce mec-là qui est haut en couleur et derrière la vanne. Il y a les critiques de cette chanson qui se veut être une petite chanson douce, mais en fait je le tacle beaucoup, mais derrière il y a une vraie question sur cette justice à deux vitesses. Comment un mec comme cela peut être élu de la République? Grand Corps Malade est également revenu au micro de Non Stop et Hop sur la nomination de son premier film, Patient, en tant que réalisateur pour les Césars 2018, c'est déjà un accomplissement, un aboutissement, le film est sorti il y a pile un an. Donc un an après c'est un bel anniversaire de se retrouver. On a 4 nominations, et pas n'importe lesquelles donc c'est déjà une énorme victoire pour moi et surtout pour toute l'équipe. J'y ai tellement aimé cette aventure collective, donc c'est une récompense. Il faudra maintenant attendre le 2 mars prochain pour savoir si le film Patient repartira gagnant de la cérémonie des Césars 2018.